les partis politiques ou les obédiences des gens, au lieu de regarder la qualité intrinsèque. Qu'est-ce que chaque Camerounais peut apporter? Moi, je ne peux pas vous raconter une histoire que j'ai vécue qui est horrible, vous serez choqués. Vous Pourquoi voulez que pas? je raconte? Racontez bien sûr. Bien. Il y a quelque temps de cela, alors que je venais d'arriver au Cameroun, le professeur de l'université Yaoundé, qui s'appelle, je crois, Soa, était tout heureux de que je sois là. Et il y avait leur. Comment on appelle ça? Vous appelez ça quoi? Le conseil des enseignants, des Non, enseignements ou quoi? non, non, au-dessus encore. Ah Le là là. président du conseil d'administration, L'administration, oui. qui visiblement était mort. Alors, ils étaient en fait, ils disaient, ben, Madame Beyala est là, nous allons avoir une. Comment vous appelez Un ça? PCA? PCA de qualité. Oui. Elle va pouvoir défendre notre université à travers le monde. Elle va pouvoir vraiment faire en sorte que l'université camerounaise soit vue, parce que vu son carnet d'adresse et les répercussions internationales. Donc, et je me rappelle, j'étais à l'hôtel et certains passés en parlaient. Mais je ne savais pas jusqu'où c'était allé. Évidemment, c'était allé jusqu'à la présidence. Ils ont donné mon nom, c'est-à-dire les universitaires. Oui. Et arrivé là-bas, il y a des gens d'un autre groupe, ethnique cette fois-ci, qui sont arrivés dans cette présidence en groupe pour dire, elle est brillante, intelligente, elle est très belle même, mais elle ne peut pas remplacer un des nôtres, elle a le sang souillé. Alors, le sang souillé, je veux comprendre. Ben, j'ai le sang souillé. C'est la chose la plus odieuse que j'ai pu entendre à ce moment de ma vie. C'est-à-dire franco-camerounaise. Non. Allons plus en profondeur. Itoun Mais c'est camerounais. Bamileke. Mais ils ont dit que j'avais le sang souillé. C'est Ça compliqué. m'a été rapporté. Et je pense la première fois de ma vie où j'ai pleuré. Parce que leur peau, ça ne me disait rien. Je veux dire, si je fais même ça, ce serait pour faire plaisir. Mais lorsqu'on a été victime de telles discriminations Ouais. chez les Blancs, et que ce soir, on a ce type de regard qu'on porte sur nous, qu'est-ce que ça nous fait? Je n'ai pas été victime d'une grande discrimination chez les Blancs, en fait. Les Blancs m'ont beaucoup adopté. Il faut dire la vérité, parce que personne n'arrivait, n'a eu ce que les Blancs m'ont donné en Europe. Les Blancs respectent l'intelligence, en fait. Quand tu vois, que tu sois jaune, vert, rouge, quand tu vois un individu au-dessus des autres, ils n'ont qu'un souci, c'est l'attraper et qu'il reste chez eux. Je me rappelle un jour, je suis allé enseigner aux États-Unis. J'étais fâché contre la France. Et je suis resté aux États-Unis 6 mois. J'ai enseigné là-bas. Et tout l'establishment français m'a appelé tous les jours pour que je rentre. Même comme je suis au Cameroun, ils me demandent Mais de qu'est-ce qui. rentrer travailler là-bas, Alors, de justement, rentrer mais. écrire. Alors que tout le monde veut partir, pourquoi tu es revenu au Cameroun? Parce que c'est chez moi, mais je suis bien installé en France, ne vous inquiétez pas. Ah, d'accord. J'ai ma maison en France, j'ai tout ce qu'il me faut en France. Donc, ce qui fait que je vis 6 mois au Cameroun, 6 mois en France, ou à travers le monde, ou alors dans ma résidence de Londres. Non, non, j'ai vu. Mais la France aurait voulu que je sois là en permanence pour assister au débat, comme d'habitude, pour aider à la réflexion sur les décisions prises par. Parce que contrairement à ici, les décisions prises par l'État ne sont pas prises.